C'est le partage, en fait, qui manque. Et vous représentez vraiment, la Talente représente vraiment ça. Quoi qu'il arrive, le film, il y aura un bon film. Et après, boire une petite bière en terrasse, comme ça. Là. Vous ? Retrouver des amis, déjà. Ma deuxième maison. Ben, dena, giloa, filma ikustea, ostatua, garagarnoak edatea, zuekin berriz biltzea. Et bah ça déjà. Tout ça. De rêver, de s'évader. Mais moi c'est la salle. C'est vraiment l'expérience de la projection. L'autre, la rencontre. Et c'est un retour vers la vie quoi. Bon, pour moi hein, c'est un retour vers la vie. Le cinéma c'est aussi la vie. C'est... Bah je vois ça comme déjà une grande fête hein, comme beaucoup de gens je pense. Bah déjà d'aller au cinéma. Aller dans la salle. En fait, rentrer dans une salle de cinéma, c'est être prise dans les bras. C'est quand même un truc dans une salle, quand il se passe un truc, ça arrive quelquefois devant certains films, bah, ça se vit ensemble, ça peut pas se vivre. Et ça, ouais, moi j'ai urgence de ça. Le cinéma, c'est pas qu'un divertissement, quoi. Le cinéma, moi, comme je l'entends et comme je le vis, c'est quelque chose dont j'ai profondément besoin. Moi, ça m'a fait beaucoup de mal de voir la culture, surtout que j'aimerais bien en faire mon métier plus tard, de voir la culture fermée, bouclée, bâillonnée, ça m'a mis très très mal. La prochaine séance, je ne sais pas comment, je sais pas quel film ce sera, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas si ce sera en plein air, pas en plein air, dans le ciné, peu importe. Moi, ce que je voudrais dire, c'est mais n'oublions pas ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on fait de ce qui s'est passé. L'endroit... reste magique, le grand écran reste magique et ça remplacera, ça sera jamais remplacé par des Netflix, autre chose ou son home cinéma. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut que ça reprenne. Et pour tout, les séances scolaires, tout. Ça va être énorme, donc déjà merci par avance de nous permettre d'assister à quelque chose quoi. Hein. Puis retrouver la magie.